Je prie pour la parole. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour la capacité divine qui m'est accordée d'enseigner ta parole avec droiture, exactitude, profondeur et révélation au nom suprême de Jésus. Et que par ta grâce, opérant au travers de ce ministère rendu par l'assistance du Saint-Esprit, ceux qui m'écoutent soient transportés dans les profondeurs de la vérité. Et que par cette vérité révélée et illuminée au travers du Saint-Esprit, Seigneur, les forteresses s'ébranlent et que la mentalité soit totalement renouvelée au nom suprême de Jésus. Que la foi soit générée et que les divers miracles s'accomplissent dans nos vies au nom suprême de Jésus. Je décrète, déclare, établi, en vertu des pouvoirs que tu m'as souverainement conféré, dont tu m'as souverainement conféré, Père, que personne ne se déconnectera de cet enseignement sans avoir été visité par toi. Béni sois-tu pour les divers miracles dans nos vies au nom suprême de Jésus. J'ai prié et que quelqu'un dise Amen trois fois. Avant de commencer cet enseignement, tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Il me revient à l'esprit, un jour j'étais en train d'enseigner dans une église ici en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit ce jour-là que chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, nous devons avoir foi que pendant que nous l'écoutons, Dieu travaille non simplement en nous, mais il travaille aussi au travers de tout ce qui est rattaché à nos vies. Et il y avait donc ce jour-là une dame qui avait un enfant, son enfant qui avait une fuguée depuis plusieurs années. Et donc ce jour, pendant que la femme était en train d'écouter l'enseignement de la parole de Dieu, l'enfant est revenu à la maison parce que j'ai donné une parole pendant que j'étais en train d'enseigner concernant justement le fait que tout ce que tu as perdu sera restauré. L'enfant est revenu à la maison et le même jour, pour raccourcir le témoignage, l'enfant a accepté le Seigneur et la femme a été baptisée du Saint-Esprit dans sa maison. C'était juste incroyable ce que Dieu a accompli dans la vie de cette femme. Eh bien, nous sommes donc devant le trône de la grâce. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Donc, l'enseignement est axé sur rendre possible l'impossible par la foi. Rendre possible l'impossible par la foi. Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le vocable divin, dans le langage de Dieu, le mot impossible est banni, il n'existe pas. Ce n'est pas un mot qui est dans le vocable divin. Le mot impossible est un mot humain. Ce n'est pas un mot divin. Donc ça n'existe pas dans le langage de Dieu. Et c'est pourquoi il est important pour nous qui avons rencontré Dieu, ou du moins, sommes nés de nouveau, sommes devenus enfants de Dieu, fréquentant des communautés, d'avoir la perception que Dieu a de la vie, d'avoir la perception que Dieu a des situations, et cela n'est possible que si nous arrivons nous-mêmes à la connaissance du Dieu qui nous a engendrés. Jean 1, verset 12, il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc, c'est important que nous puissions connaître le Dieu que nous adorons. C'est important que tu puisses connaître le Dieu auquel tu prétends croire, ou auquel tu as cru. Et donc, j'aurais énoncé ici trois attributs fondamentaux qui ouvrent ta perception sur la connaissance de Dieu. Premièrement, Dieu est un Dieu omniprésent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu où Dieu est absent. Il n'y a pas de lieu où Dieu est absent. Que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Océanie, Dieu est présent partout. Même si les gens refusent de reconnaître sa présence, il est quand même présent. Parce que c'est toute autre chose, hein, que d'être présent et que ta présence soit reconnue.
Mais hélas, dans cette génération perverse et pécheresse qui ont tourné le dos à Dieu, beaucoup de personnes méconnaissent la présence de Dieu, bien qu'il soit là. Et c'est pourquoi les mots comme « impossible » vont prospérer davantage à la fin des temps. Pourquoi? Parce que les hommes s'éloignent des standards divins et de la perception de la vérité selon Dieu. Est-ce que tout le monde comprend de quoi je parle? Alors, deuxième attribut, c'est l'omniscience. Dieu sait tout. Il n'y a rien que Dieu ne puisse connaître. Dieu est au courant de tout, en tout temps et en tout lieu. Dieu est omniscient. Dieu est omniscient. C'est pourquoi, par exemple, vous vous rendrez compte que un homme habité par le Saint-Esprit peut donner une parole de connaissance, peut donner une parole de sagesse. Je me rappelle, dans l'avion, alors j'étais le seul dans ma cabine et l'hôtesse principale de l'avion, qui est celle qui était en charge de cet avion, est venue vers moi et puis elle s'est présentée, elle m'a appelé en disant « Révérend, comment vous allez ?» et tout. Donc, ils ont pris des renseignements sur le passager que j'étais et donc venu me présenter les civilités de la compagnie. Ok ? Ce que j'ai accepté. Et donc, et quand elle a parlé, dès qu'elle a donné deux phrases, tout de suite, j'ai plein de connaissances de ce qu'elle traversait. J'ai commencé à lui dire 1, 2, 3, 4. Et elle a commencé, elle m'a regardé. Et j'ai dit, oui, c'est ce que tu traverses. Je lui ai expliqué certaines situations de sa vie. Quand elle est partie de là, à genoux, dans la cabine, ayant parlé avec moi, ayant prié avec elle, elle est partie appeler une autre hôtesse pour lui dire, cet homme qui est là, là, il n'est pas simple. Il faut aller le voir. Il m'a dit en une fraction de seconde tout ce que j'ai vécu. Et elle m'a dit en larmes, si je t'avais connu plus tôt, ma vie n'aurait pas été ce qu'elle est devenue. Et sa copine est venue, sa collègue est venue, même rituel, elle m'a écouté à genoux dans ma cabine. C'est vrai, c'est fermé, on était dedans. On a parlé, et je lui ai donné conseil et j'ai prié pour elle. Et une troisième est venue. Pourquoi? Parce que, justement, le côté de l'omniscience s'est révélé. De pas de mon fait, mais du fait de Dieu qui voulait aider les personnes. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Donc rien n'est caché à Dieu, frère. Dieu connaît tout. Il connaît parfaitement le passé, parfaitement le présent, et il est au courant de ce qui va venir, de ce qui est à venir. Les hommes méconnaissent le futur, mais Dieu connaît le futur. Et il peut, par sa grâce, te révéler certaines choses qui sont à venir. Mais je voudrais vous donner un conseil. N'allez pas toujours à la quête des prophéties pour savoir ce qui est à venir. Faites juste confiance en Dieu et il vous réservera des surprises dans votre avenir. Donne-moi ton meilleur amen. Mais le troisième attribut est celui sur lequel on va s'attarder un peu plus, c'est l'omnipotence. Quelqu'un dit après moi, omnipotence. Ta manière de le dire même déjà n'est pas très bien. Encore une troisième fois, ça veut dire c'est l'attribut par lequel nous reconnaissons que Dieu peut tout. Que Dieu peut tout, que la capacité de Dieu est illimitée. Il peut tout faire. Il n'y a rien qui soit impossible. Rien du tout. Et c'est un attribut que Satan veut voler dans la conscience des croyants. Et amener les gens à croire qu'il est celui-là, lui le diable, qui est capable de faire les choses les plus extraordinaires. Et c'est choquant de voir aujourd'hui ici, quand Dieu agit au travers de quelqu'un, qu'on ait tendance à croire que c'est le diable. Parce que dans notre concept, dans notre imaginaire de croyant, dans notre subconscient, nous n'avons même pas accepté le fait que Dieu soit capable des choses les plus extraordinaires. Dieu, c'est un grand Dieu. C'est un Dieu capable des choses les plus incroyables. Donc, il a une puissance qui est illimitée. Et il a une puissance illimitée. Ça veut dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut faire. Note bien, il peut faire tout ce qu'il veut faire. Il peut faire tout ce qu'il dit qu'il va faire. Et il peut faire tout ce pourquoi il est sollicité. Ah, c'est ça Dieu. Tout ce qu'il veut faire, il le fait. Tout ce qu'il dit qu'il va faire, il le fait. Tout ce pourquoi on le sollicite, il le fait. Donc rien n'est impossible à Dieu. Rien. Et concernant ta vie, ça fait partie des choses que tu devrais assimiler. Tu te lèves le matin avec rien n'est impossible à Dieu. À midi avec rien n'est impossible à Dieu. Et tu dors la nuit en disant rien n'est impossible à Dieu. Dieu, c'est important d'avoir confiance en sa capacité de faire des choses les plus incroyables. Alors
reçu pendant ce bref de temps à l'écart une dame. Et j'ai eu la conviction qu'il fallait que je la reçoive. Et son mari en souvent été des personnes proches. L'enfant était malade et gravement malade, envoyé à l'hôpital. Et on a dit à la femme, ton enfant a 3 jours à vivre. Les médecins l'ont appelé, les médecins lui ont dit, terminé. Son mari aussi, on a dit, l'enfant, 3 jours donc, venez dire au revoir à votre enfant. La dame s'est souvenue que ce n'est pas ce que mon pasteur m'a dit. Ce n'est pas ce que j'entends le révérend Wafo enseigner. En tout cas, je refuse ce verdict qui est en train de m'être donné par les médecins. Elle est rentrée à la maison, au lieu de pleurer, elle a commencé à mettre des messages pour bombarder sa propre foi et déclarer la parole de Dieu. Quand sa foi est montée, elle a eu dans l'intelligence divine, ce que j'appelle l'intelligence divine, dans la situation de prendre maintenant le message et d'amener à l'hôpital. Écoutez-moi bien. À l'hôpital donc, elle arrive, ce sont les 3 derniers jours à vivre selon les médecins. Et c'est une médecine développée. Ce n'est pas une médecine à peu près, c'est développé. Donc on dit 3 jours, 3 jours. Sauf que quand Dieu décide de faire interférence, amen, il peut tourner en ridicule tous les diagnostics humains, parce que rien ne lui est impossible. La dame donc prend le message et elle va donc poser, d'accord, et le message parlait de Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et la puissance qu'il y a derrière la vérité. Elle le met à l'hôpital. L'enfant qui ne bougeait plus, qui était immobile, il fait un accident, qui était paralysé, quand elle a mis le message de l'autre côté, il était comme ça. Il a commencé à tourner son visage pour regarder du côté du message. Parce qu'il y avait une force qui sortait du message et il s'est tourné. Donc on a maintenant, on a repris le message pour mettre en face. Et quand il a continué à écouter, on a commencé à voir comment est-ce que les pieds ont commencé à bouger. Mais qu'est-ce qui se passait? La parole qu'il entendait générait la foi à l'intérieur de lui. Et pour raccourcir le témoignage, le lendemain, l'enfant qui était supposé être mort dans les 3 jours qui suivent a commencé à retrouver la vie. Et les médecins qui entraient dans la salle et ont demandé à la dame, tu es croyante quand ils ont écouté le message? Tu crois en Dieu? La dame a dit oui. Et la dame a augmenté le volume. À l'hôpital, on dit de rester calme, mais elle a mis le volume dans la pièce. Parce qu'elle s'est dit, si je n'ai pas de solution dans le naturel, autant me connecter dans le surnaturel. Et à l'heure où je vous parle, son enfant est en bonne santé, son enfant a été rétabli, la puissance de Dieu l'a changé. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Mais l'enseignement que je dis derrière, c'est quoi? C'est qu'il y avait disponibilité de puissance. Il a fallu que cette femme se connecte à la puissance de Dieu pour pouvoir avoir la guérison de son enfant. Je lève ma main vers le ciel. Je décrète, déclare et établis sur ta vie, quels que soient les diagnostics que les médecins ont établis, les diagnostics des banquiers, les diagnostics scolaires, les diagnostics dans tous les paliers de la vie, sur ta vie, je décrète, déclare et établis que la parole de Dieu aura la prééminence. Que ce qui arrivera dans ta vie est ce qui est écrit. Au nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une troisième fois amen. Que la parole de Dieu change totalement le panorama de ta vie. Et rétablisse la vérité dans ta vie. Au nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Donc c'est important, frères et sœurs, que nous le comprenions. Amen. Nous servons un grand Dieu. Et le drame, c'est que beaucoup de personnes adorent Dieu sans savoir qui il est. Je me rappelle d'un autre témoignage, mon fils Lilian qui est au Brésil, que je n'ai jamais vu de face, mais que j'ai eu au téléphone plusieurs fois, avait un diagnostic de l'hépatite B. On lui a dit qu'il ne pouvait pas guérir. Il m'a appelé au téléphone après que je lui ai apparu dans sa chambre sous la forme d'une lumière. On connaît ce témoignage ici. J'ai prié pour lui au téléphone, il a été guéri à distance. Il est reparti à l'hôpital, il n'y a plus d'hépatite B dans son corps. Alors que plusieurs fois, il était diagnostiqué d'hépatite B. C'est incroyable ce que Dieu est capable de faire. La puissance de Dieu est illimitée. Donc je suis en train de t'introduire dans l'univers ou dans le vocable qui est le tien. Dans le dictionnaire que tu auras dorénavant, tu vas barrer le mot impossible. Ta manière de dire « Amen, m'embête ». Tu vas barrer le mot impossible. Oui.
Nous ne pouvons pas servir un si grand Dieu qui a fait de nous son père et puis continuer à avoir un langage des païens. Non, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Donc il faut connaître Dieu. Il faut le connaître. Il faut le connaître. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, il est important que tu connaisses Dieu. Emploie-toi à le découvrir. Prie pour le connaître. Dis à Dieu, révèle-toi à moi. Oh Père, je veux te connaître. Frères et sœurs, le domaine de ta vie qui est stérile et improductif révèle une absence de connaissance de Dieu dans ce domaine. Si tu connais Dieu dans un domaine précis, il y aura une floraison, il y aura une multiplication, il y aura une prospérité dans ce domaine-là. Mais le domaine où tu ne connais pas Dieu, il y aura la sécheresse. Donc c'est important de connaître Dieu. Ça devrait être l'objet de nos recherches, chacun d'entre nous, connaître Dieu. Amos 3:3 déclare, deux personnes marchent-ils ensemble sans convenir. Donc si tu as décidé de marcher avec Dieu, il faut justement convenir. Il faut t'accorder avec Dieu. Et la base d'accord sera la parole de Dieu. Et non ton intelligence, non tes pensées. C'est pourquoi il est impérieux de renouveler ton intelligence. Mets ta main sur ta tête et dis, je dois renouveler mon intelligence. Encore une autre fois, je dois renouveler. C'est très important, frère. C'est très important que ton intelligence soit renouvelée. Et c'est un processus graduel, un processus journalier. Je le transforme, notre intelligence est renouvelée par la puissance de la vérité. Et voyez, c'est pourquoi quand vous rencontrez Dieu, quand tu rencontres Dieu, la première chose que Dieu va faire, c'est qu'il prend plaisir à t'initier à l'univers du surnaturel, à l'univers du possible. Il t'amène à sa connaissance. Pour marcher avec Dieu, il faut le connaître. Et Dieu va t'initier à la découverte de qui il est. Au langage du surnaturel, au langage du miraculeux, et de, justement, du possible. Dieu va t'amener à cette dimension. Amen. C'est ce que Dieu va faire. Alors, prenons un exemple. Eh bien, c'est assez riche, hein, l'enseignement que nous avons. J'ai 12 points à ressortir celui-ci, mais on va prendre entre 3 et 4 points parce que je ne veux pas courir. Regardons Romains 4, la belle histoire d'Abraham qui est appelé le père de la foi. Regardons, observez ce que dit la Bible. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père, à tous, selon qu'il est écrit. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, parce qu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alors, de ce texte, je vais ressortir 12 axes. Amen. Qui vont permettre, 12 vérités profondes qui vont permettre de renouveler ton intelligence au sujet de toutes les possibilités qui s'offrent à toi dans la vie. Et puis il sera effacé de ton subconscient le mot impossible. Tu ne penseras plus jamais aux impossibilités.
tu seras reprogrammé à la possibilité afin que ta vie reflète exactement ce que Dieu veut qu'elle soit. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore un meilleur amen et un dernier amen. Alléluia. Amen. Revenons premièrement sur un héritier. Les héritiers le sont par la foi. Les héritiers le sont par la foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Bible dit que nous les héritiers, nous le devenons par la foi, ça veut simplement dire que toutes les grâces que Dieu mettra à la disposition de son peuple, de ses enfants, il n'y a que la foi qui te permettra de les saisir. C'est ce que ça veut dire. Les héritiers le sont par la foi. Et donc le légalisme, le formalisme et les choses semblables ne te permettront pas d'hériter les promesses de Dieu. C'est la foi qui te permet d'hériter les promesses de Dieu. Les héritiers le sont par la foi. Donc, quelles que soient les grâces que Dieu a pour toi, que ce soit la grâce pour avoir un ministère puissant, organiser de puissants programmes, avoir une famille bénie, être un homme d'affaires puissant, quel que soit le domaine où Dieu t'appelle, la grâce que Dieu t'a faite, que quelle que soit la grâce que le ciel te réserve, tu as besoin de la foi pour saisir la grâce. Sans la foi, la grâce n'est pas accessible. On a besoin de foi pour saisir la grâce. C'est vrai que la grâce est une faveur imméritée. On est d'accord, n'est-ce pas? Qui le sait? Très bien. Mais en fait, elle est imméritée, mais ce qui te permet de saisir la grâce s'appelle la foi. Donc tant que je n'ai pas confiance en la grâce qui m'a été faite par Dieu, tant que je ne crois pas Dieu capable de faire ce qu'il a dit qu'il va faire pour moi, alors cette grâce, je n'ai pas accès à elle. Je n'ai pas accès à elle. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'ont pas accès aux grâces de Dieu. Parce qu'elles ne croient pas Dieu capable de faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas ce que Dieu t'a annoncé. Je ne sais pas quelle parole tu as entendu de Dieu. Mais ma question est la suivante. Crois-tu Dieu capable de faire ce qu'il t'a dit qu'il va faire? Tout part de là. Tout part de là. Donc le tout n'est pas de dire tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce, oui. Mais ta foi doit saisir la grâce. Crois-tu en Dieu? Alléluia. Crois-tu Dieu capable de faire ce qu'il va dire qu'il va faire? Les héritiers le sont par la foi. Donc si tu dois hériter de ce que le ciel t'a réservé, tu as besoin d'avoir la foi. Et généralement, si Dieu dit que tu hérites par la foi, c'est parce qu'il est impossible d'hériter d'une autre manière. C'est-à-dire, tes propres capacités ne te permettront jamais d'accéder à ce que le ciel t'a réservé. Écoute-moi bien, je vais dans le prophétique, écoute-moi très bien. Ce que le ciel te réserve, tu vas aller à l'école, tu vas être meilleur à l'école, tu vas avoir tout l'argent de tes parents, tu vas avoir la faveur des hommes, mais ce que le ciel t'a réservé, tu ne pourras jamais accéder à ça en étant... en te limitant de par tes propres capacités. Car ce que le ciel te réserve est toujours au-dessus, très loin de ce que ton habileté naturelle est capable de te donner. Donc le rêve que Dieu va mettre dans ton cœur, la vision que Dieu va te donner sera toujours plus grande que toi. Elle va demander de toi une certaine dose de foi. Donc s'il n'y a pas la foi, tu n'auras pas accès à ce que le ciel te réserve. D'ailleurs, tu peux même avoir toutes les aptitudes, mais ta vie sera brève. Parce que le diable, voyant ton étoile, va soit essayer de te coopter dans son royaume pour prendre la gloire de ce que Dieu a mis en toi pour lui, soit il va te détruire avant le temps. Mais je lève ma main vers le ciel, je déclare, tu ne mourras pas avant ton heure. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Tu accompliras ce pourquoi Dieu t'a appelé. Amen. Est-ce que tu sais qu'il y a des rêves qui sont rattachés à ta personne? Est-ce que tu sais qu'il y a, un glorieux plan rattaché à ta vie? Mais tu as besoin de foi pour saisir justement ces grâces que Dieu t'a faites. Je connais les projets que Dieu et que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc tu as besoin de foi pour saisir cette grâce. Tu as besoin de foi.
c'est pas tant le nombre de temps que tu pries, c'est pas tant le nombre de temps que tu vas à l'église, non. C'est pas tant l'offrande que tu donnes, non. Mais c'est d'abord la foi derrière. Ta capacité à faire confiance en ce Dieu-là. Si encore, amen. Amen. Les héritiers le sont par la foi. Alléluia. De deux, j'ai promis de ne pas courir, est-ce que tout le monde a bien compris? Ce Dieu-là, il dit, qui donne la vie aux morts. Il donne la vie aux morts. C'est fort, hein? Il donne la vie aux morts. On n'a pas dit aux nouveau-nés. Il donne la vie aux morts, c'est-à-dire, la personne est née et la personne est morte. Mais on dit, il donne la vie aux morts. C'est très, très fort. Vous savez que tu sois riche, que tu sois pauvre, on a peur de la mort. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on a peur de la mort. Même les animaux crient quand il s'agit de la mort. Tout le monde a peur de la mort. Mais la Bible dit qu'il donne la vie aux morts. C'est-à-dire qu'il est capable d'apporter à résurrection l'expérience la plus détruite. C'est incroyable. C'est-à-dire, il apporte à résurrection l'espérance la plus détruite. Il est capable de restaurer le cœur le plus abattu. Parce que sa promesse est tellement puissante que la mort ne peut pas limiter l'accomplissement de ses desseins. Ta manière de dire amen m'embête. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la religion dans laquelle nous sommes est belle. Parce qu'elle prend son fondement sur la résurrection de mort. Donc à partir du moment où nous croyons en Christ qui est sorti victorieux de la mort, nous sommes introduits dans l'univers des possibilités exceptionnelles. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amen. Eh bien c'est incroyable. Jésus est sorti du tombeau le troisième jour. Donc s'il est sorti du tombeau le troisième jour, il n'y a aucune situation qui peut résister à la puissance de Dieu. Gloire à Dieu encore pour la résurrection de Lazare. Lazare, c'était combien de jours après? 4 jours après qu'il soit mis dans la tombe. D'accord? Mais elle est belle, mais elle n'est pas autant puissante que celle de Christ. Parce que celle de Christ a été annoncée. Il a dit, je donne ma vie et je la reprends. Car j'ai le pouvoir de donner, j'ai le pouvoir de reprendre. Lazare n'a pas prédit sa mort. Lazare a été surpris par la mort. Mais Jésus a annoncé sa mort. Il a dit, demain je vais être livré. Mais je donne ma vie et je la reprends. C'est très fort. Non seulement il a donné sa vie et il a repris. Mais le plus grave, c'est que quand Marie arrive au tombeau, c'est que beaucoup de personnes ne voient pas dans la résurrection de Jésus. C'est qu'il dit à Marie, ne me touche pas, je ne me suis pas encore montré au Père. Il n'y a pas de fusée à cette époque. Il n'y a pas d'avion à cette époque. Mais il dit, je ne me suis pas encore montré au Père. Et le Père n'habite pas la terre. Le Père n'habite pas la mer. Le terre habite le ciel. Mais il dit, je ne suis pas encore parti au ciel. Je ne me suis pas encore montré. Il est en train de dire, je prendrai un moyen de transport à l'instant qui va suivre pour monter, déposer mon rapport au ciel sans emprunter de moyens de locomotion. Donc il est monté au ciel sans avion, sans fusée. Donc si le Christ que nous adorons, qui a promis justement de donner la vie et monter au ciel sans fusée, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans la vie de celui qui croit? Ta manière de dire amen m'embête. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans la vie de celui qui croit, frère? Qu'est-ce que Dieu, frère et soeur? Écoute-moi bien. Non. Rien ne lui est impossible. 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 Il donne la vie aux morts. Il donne la vie aux morts. Je suis en train de te dire, quel que soit le membre de ton corps qui est mort, quelles que soient tes affaires qui sont mortes, quelle que soit la mort qui a touché quelque part dans ta vie, je décrète, déclare et établis que la vie revient maintenant au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. La résurrection de tes projets. Il donne la vie aux morts. Tu embrasseras encore cette personne. Il donne la vie aux morts. Alléluia. Frère, ces derniers temps, Dieu me rappelle certaines choses qui ont fait l'objet de notre marche. Tout jeune prédicateur, tout jeune à l'âge de 26, 27 ans, voilà les choses qui habitaient mon âme. J'ai passé mon temps à réfléchir. Si comment est-ce que Dieu surprendrait une personne sur la terre qui croit en lui? Au lieu de t'angoisser
et de te mettre à penser, oh, ben vraiment non. Mais pense à toutes les possibilités divines. Ce Dieu-là donne la vie aux morts. Je me rappelle un jour, on était en Sierra Leone. Et j'ai discuté avec certains hommes de Dieu qui sûrement vont m'écouter tout à l'heure ou après sur Internet. Ce qu'on s'appelle souvent. Je leur ai dit, mais Dieu est capable de choses les plus belles. Ouais, mais on n'a pas besoin, si Dieu veut bénir ton ministère, tu n'as même pas besoin d'aller payer un spot télé à la télévision pour qu'on te connaisse. Dieu peut faire de toi la personne la plus importante en un clin d'œil. En un clin d'œil. Imaginez que vous êtes au bord de la route et que le président de la République est en train de conduire sa mère à l'hôpital, qui est en train de mourir. Et que vous êtes au bord de la route, et qu'au bord de la route, tout le cortège s'arrête et en panne, ça ne peut plus démarrer. Et puis, vous êtes là. Et Dieu vous dit, avance vers le cortège là. Et dis-leur que tu as la solution pour que c'est à cause de toi que le cortège s'est arrêté. Je te pose une question. Est-ce qu'on a besoin de 2 jours pour te connaître sur la terre? Non, je te pose une question. Est-ce qu'on a besoin de 2 jours pour te connaître sur la terre? Non, on n'a pas besoin de 2 jours. On te connaîtra le même jour. On t'invitera au palais. Parce que la mère va ressusciter et tu seras introduit dans la royauté à cause de ce que Dieu a décidé. Je suis en train de dire à quelqu'un que des choses spéciales sont sur le point de t'arriver. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amen. Mais vous voyez, quelqu'un dira, mais c'est l'imaginaire. Mais vous savez que croire en Dieu, c'est aussi imaginer les possibilités. Pourquoi te torturer? Parce que tu es en train d'imaginer les impossibilités. Au lieu de te réjouir de probables possibilités. C'est ce que Jésus a fait. Quand il est ressuscité dans des morts, la porte de la maison était fermée. Mais il est passé par le mur. Mais pourquoi il est passé par le mur? Pour dire, les gars, à partir d'aujourd'hui, intégrer que les circonstances naturelles ne peuvent pas limiter celui qui marche avec moi. Vous n'avez pas besoin de vous soumettre à tout ce que la nature vous dictera comme impossible. C'est pourquoi pour vous rencontrer, je ne passerai pas par la porte, je vais passer par le mur. Et il est passé par le... Imaginez que je suis sorti de l'autre côté. Vous restez à l'église? Imaginez que je dis, je passe par le mur et je pars. Est-ce que vous êtes encore au culte? Et je sors de l'autre côté là-bas. Si je sors là-bas, je sors là-bas. On fait le test, je passe là-bas, je sors là-bas. Quels sont ceux qui restent à l'église? Vous me suivez en même temps? Vous voyez, regardez ce Dieu. Et vous savez, la Bible est un livre intelligent. C'est un livre puissant. Il se montre, Thomas n'est pas là. Thomas dit, les gars, vous mentez. Jésus attend que Thomas revienne. Jésus, quand la porte est ouverte, il ne vient pas. On referme la porte et il repasse par le mur. Deux fois, il repasse par le mur et il dit à Thomas, hé, tu n'as pas cru, touche-moi. Regarde là, tu ne vois pas là, c'est moi. Je vous pose une question. Celui qui s'est présenté là, c'était Jésus ou c'était un esprit? Comment est-ce que Jésus a fait après la mort là, pour monter au ciel avec son corps, redescendre sur la terre avec son corps, rester 40 jours manger avec les gens après la mort là, avec ce corps là, il a fait comment? Frère, est-ce que vous savez que ce en quoi on a cru là est plus puissant que ce qu'on dit souvent à l'église? Ce en quoi on a cru est plus puissant que ce. C'est dit, frère, certains d'entre nous ici, pas ailleurs, tu peux dormir ici, tu te réveilles à Mans. C'est pas la sorcellerie. Tu as dormi là, tu te réveilles à Mans. Au marché de Mans, en train de parler l'évangile à quelqu'un, et tu disparais à Mans, tu reviens à Abidjan. Est-ce qu'on n'a pas vu Philippe apparaître ainsi dans la Bible? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? L'église est devenue tellement limitée dans sa capacité à croire en la puissance de Dieu. Mais je sens Dieu nous dire, de par cette année de métamorphose divine, que nous allons recommencer à vivre des miracles rares. Chacun dans le couloir de son appel. Tu témoigneras cette année. Ta manière de dire amen m'embête. La saison du spectaculaire, du miraculeux, du divin est arrivé dans ta vie. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Hallelujah. Amen. Il donne la vie
aux morts. En Dieu, oh non, il donne la vie aux morts. Ah, c'est ton moment. Ah, c'est ton moment, s'il te plaît. Ce que je vais te dire maintenant est très important. Dieu donne la vie aux morts. Dis, je le crois. Dis encore, je le crois. Frère, Dieu me dit de te dire de laisser Satan jouer son rôle. Laisse Satan jouer son rôle. Vous savez, Jean 10:10, ce volant ne vient que pour les robes égorgées et détruit. Donc, s'il donne la vie aux morts, qui a tué? Qui a détruit? Qui a détruit? Donc, il faut laisser Satan détruire pour que Dieu donne la vie. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Et Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croise à moi vivra, même s'il est mort. Laisse Satan jouer son rôle. Laisse Satan jouer son rôle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? S'il n'y a pas de maladie, il n'y aura pas de guérison. Si on n'est pas courbé, on ne sera pas redressé. Si on n'est pas faible, on ne deviendra pas fort. Donc laisse Satan jouer son rôle. Il fait partie des, vous voyez, de la, du stratagème intelligent de Dieu. Pour que tu vois sa grandeur. Cette année, il sera humilié. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Cette année, il sera humilié. Cette année, il sera humilié. Laisse Satan jouer son rôle. Il est dans son rôle. Donne-moi le meilleur des amen. Il est dans son rôle. Et je continue en te disant que sa mission à tes côtés est divine. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Sa mission est divine. Même la persécution qu'il a contre toi est prophétique. Regardez ce qui est écrit dans Romains 8, verset 28. Qu'est-ce qui est écrit? Regardez ce qui est écrit. Nous savons du reste. Que quoi? Que quoi? Tout avec S. Chose avec S. Concours avec ENT. Au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon ses desseins. On dit toutes choses. Donc, quel que soit ce que l'enfer fera, la Bible dit toutes choses concourent au bien. En d'autres termes, Satan exécute certaines missions du ciel. Qui devait amener Joseph en Égypte? Les frères ne pouvaient pas cotiser pour payer son billet. Satan a inspiré la haine pour atteindre l'objectif. Ils l'ont amené à l'endroit stratégique où on devait le téléporter pour l'amener en Égypte. Donc Satan était dans son rôle. Arrête d'accuser le diable. Bénis Dieu pour ce qui t'arrive. Célèbre Dieu pour le miracle qu'il y a derrière. Rends grâce à Dieu pour ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ton témoignage est en train de se façonner au travers des difficultés que tu traverses. Dieu est en train d'écrire une nouvelle page de ta vie. Alléluia. Laisse Satan jouer son rôle. Les sorciers de ton village, laisse-les jouer leur rôle. Laisse-les jouer leur rôle. Et tu verras comment est-ce que la gloire de Dieu va éclater au milieu de tous ces tourments, de tous ces défis. Frères et sœurs, je vous pose une question. À quoi ressemblera la vie sans adversité? Que sera une vie sans défi? Hein, mes frères? Pourquoi te plaindre? À ressasser le passé? Ah, vraiment? Des choses m'est arrivé hier. Hier, c'était hier. Yes, hier, ça en allait. Aujourd'hui, c'est ton nouveau jour. Oh non, ça fait longtemps. Depuis que Dieu m'a dit ça, vraiment, je n'ai pas vu. Laisse tomber, frère. Notre Père, dans la foi, a attendu 25 ans. Le temps me manque pour te montrer comment est-ce que même le corps d'Abraham était contre lui. On verra ça la semaine prochaine. Son corps même dit, vieux père, laisse tomber l'affaire. On est fatigué. Sa femme même dit, non, c'est fini mon gars, laisse tomber. Je t'ai envoyé chez ma servante, on a quand même un enfant, c'est pas grave, tu l'as. Je l'ai adopté comme mon fils finalement, c'est pas grave. Mais Dieu dit, c'est maintenant je vais vous montrer qui je suis. Pourquoi Dieu doit attendre 25 ans? Pourquoi doit-il attendre 25 ans que sa femme n'ait plus la possibilité d'avoir d'enfant pour que naisse de cet Abraham un enfant? Pourquoi?
Parce que plus l'intensité est, plus le défi est élevé, plus l'obstacle est grand, plus la gloire de Dieu est grande. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Écoute-moi bien. Quand Dieu t'aime, tes problèmes ne sont pas petits. Tu n'as pas compris? Quand je t'aime, tes problèmes ne sont pas petits. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a dû affronter Goliath. Il n'a pas affronté un nain. Quand je t'aime, il te fait affronter des géants. Donc arrête de te plaindre. Oh, ma situation est compliquée. Ma situation est compliquée. Eh bien oui, le prophète Élie l'avait compris. Si ta vie n'est pas compliquée, complique-la pour la rendre simple. Tu as tous les oncles, toutes les tantes, qui peut te donner l'argent, tous les amis, laisse-les de côté, complique ta vie en regardant au ciel, en disant je n'irai pas chez toi, je ne regarderai pas à toi, je ne demanderai pas à toi, mon Dieu au ciel. Je ne suis pas un mendiant. Complique ta vie pour la rendre simple. Élie dit, ok, votre Dieu n'a pas fait descendre le feu. Prenez de l'eau, versez sur les sacrifices. On dit, mais il est fou. Il a perdu la tête, versez encore de l'eau. Mais il comprenait que plus c'est compliqué, mieux c'est facile. La gloire de Dieu éclate quand les choses deviennent extrêmement difficiles. C'est pourquoi Dieu prend le soin, quand il marche avec toi, de ne pas rendre ta vie facile. La foi ne rend pas les choses faciles, mais la foi les rend possibles. Moi qui suis devant vous, je peux vous le dire. Je sais de quoi je parle. Quand Dieu a décidé de faire les choses avec toi, laisse le monde entier être contre toi. Continue ta marche. Il donne la vie aux morts. Il y a certaines choses qui doivent mourir, mais elles reviendront après. Il donne la vie aux morts. Il y a des connexions qui meurent. Il y a des entrées qui meurent. Il y a des relations qui meurent. Mais Dieu donne la vie aux morts. Mais vous savez, souvent, tu as tellement confiance. Tu es introduit dans une affaire, tu as tellement confiance que vous voyez dans tous les cas, dans tout. Imaginez les gens qui avaient confiance au président, les proches du président Rock, très proches. Je suis l'ami du président. Hey, tu es l'ami du président. On a encore 3 ans avant les futures élections. Frère, tac, 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 boum, boum, tac, boum. Communiquer, communiquer. À partir d'aujourd'hui, pour intérêt général. Quelqu'un est chez lui, il pleure. C'est pas le coup d'état, il pleure. Il pleure. Hé, mon mari allait dîner. Hé, vraiment, c'est fini. Frère, est-ce que quelqu'un comprend? C'est terrible, hein? Même les jours de deuil, là, quand tu vois les gens qui pleurent, là, tu sais pas pourquoi les gens pleurent, hein? Hé, madame, hé, madame, madame, madame. Tu dis, on voit monsieur, un gros monsieur, il pleure. Benabé, il ne peut pas te dire au deuil, qu'est-ce que Benabé a fait? Benabé, Benabé, Benabé. Hier, là, il venait de donner l'argent à Benabé. Benabé devait rembourser dans 1 an. Benabé est mort. Il pleure. On dit, hé, le papa là, il aimait Benabé. C'est son argent, il pleure. C'est pas Benabé, il pleure. Parce que c'est trop compliqué. Il avait trop mis. Maudit quiconque se confie en l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend? Heureusement, pour nous, on a pleuré 3 jours. Et après les 3 jours, on pleure plus jamais. Jésus, on a pleuré 3 jours. Après les 3 jours, on ne pleure plus jamais. Parce qu'il est resté d'entre les morts. Il est assis à la droite de Dieu. Que quelqu'un donne son meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Il y a tellement de belles opportunités. Tellement de choses que Dieu prépare pour toi en cette saison que tu n'as pas le droit de douter, frère. Il faut simplement être armé de courage, avoir confiance en l'Éternel, te réinventer toi-même et te dire que tout est possible. Annule de ton vocabulaire le mot impossible, car le Dieu avec lequel tu marches est un Dieu de grandes possibilités. Dis encore amen. C'est un grand Dieu, c'est un Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Ton amen m'embête. Alléluia. Ton amen m'embête. Alléluia. Dis encore amen. Gloire à l'agneau. Amen. Alléluia. Amen.
Je partageais avec une personne aujourd'hui et j'ai dit, je te vois rire la nuit toute seule. Et tu dors et puis toute la maison dort là. On dit, elle est folle quoi. Qu'est-ce qui arrive? Tellement le bonheur et la grâce t'ont localisé que même la nuit, tu ne parles pas en larmes et tu éclates des rires. Tellement Dieu t'a fait du bien. Que ta saison des rires soit activée par l'accélération, hein, le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Quel grand Dieu il est. Il donne la vie aux morts. Amen. Il donne la vie aux morts. Donc fais confiance en Dieu. Ne doute pas, frère. Ayant le temps pour chaque chose. C'est le soleil. Je ne sais pas ce que tu as endures, c'est pas ce que tu en traverses. Mais j'entends Dieu me dire de te dire, il a la capacité de donner la vie aux morts. Et la puissance de la résurrection habite en nous. Donc Dieu est capable de ramener à la vie même les choses les plus mortes. Je peux vous donner le témoignage dans les affaires des dossiers qui étaient clos, fermés, 7 ans d'affilée. Et puis, un jour, j'entends Dieu me dire, pose tel acte. Et puis je pose l'acte. 7 ans après, le dossier se réveille. Frère, laissez-moi vous dire ceci. Toi qui es un homme d'affaires, vous tous hommes d'affaires, votre argent ne se perdra jamais. Amen. Amen. C'est un problème si tu n'as pas dit amen. Cette parole-là, je l'ai dit. J'ai dit, ton argent ne se perdra jamais. Amen. Même les gens qui ont dit, quelqu'un prend ton argent, il ne dort pas avec. Il veut voler, l'argent même le ramène. La nuit est troublée. Les anges le persécutent. Parce que c'est toi. Frère, je dis ton argent, ce qui est à toi, même 7 ans plus tard, ça te reviendra. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Il y a tellement de gens qu'on peut voler, on ne te volera pas. Il y a tellement de gens qu'on peut détruire, on ne te détruira pas. Parce que la main de Dieu est sur ta vie. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Nous servons un grand Dieu. Dis mon Dieu est grand. Non, dis-le encore bien. Dis-le encore bien. Dis, donne la vie aux morts. Encore. 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 Alléluia. Ça veut dire que si même Satan était arrivé jusqu'à la mort, ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Même si c'est déjà mort, ce n'est pas tard. Ça peut revivre. La puissance de la résurrection est une puissance que nous incarnons. Nous l'avons. Nous l'avons. Nous l'avons cette puissance. Qu'est-ce que les médecins ont dit? Les cellules sont détruites. Tu ne peux plus vivre. Le cancer a frappé jusqu'à quel niveau? Ça, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Mais ce qu'ils ont dit n'est pas ce qui est. Dieu donne la vie aux morts. Mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Dieu donne la vie aux morts. Verset, le troisième point. Il appelle les choses. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc voyez-vous, appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La dame, on lui a dit, ton enfant mourra dans 3 jours. Elle dit, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit et ce n'est pas ce que j'ai entendu mon pasteur dire. Donc, elle appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, Dieu attend de toi-même, de ta propre bouche, que tu puisses affirmer la vérité et non t'aligner sur le mensonge. Vous savez que vous voulez que je vous dise une chose? Je parle ici devant, on a des médecins, des pasteurs médecins dans l'église et des médecins qui nous écoutent. Tout diagnostic de médecin sur un enfant de Dieu, de maladie est un mensonge. En Christ, on n'est jamais malade. Maintenant, oh oui, je sais que tu es d'accord, parce que tu en sais la même chose. Alors, maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? Ce qu'on dit, quand on dit que tu es malade, c'est un fait réel. Mais ce n'est pas une vérité. Donc, dans le monde de la foi, la réalité n'est pas toujours la vérité. Donc, appeler
les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc il y a une différence entre la réalité et la vérité. 2 Corinthiens 4, verset 18. Qu'est-ce qui est écrit? 2 Corinthiens 4, verset 18. Parce que nous regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont et les choses invisibles sont éternelles. Je vous pose une autre question. Qui a déjà vu le verset biblique se balader? Donc ça veut dire que la parole de Dieu est invisible. Tu peux l'entendre mais tu ne la vois pas. On est d'accord? Mais la maladie, tu peux la voir là. Elle est visible dans ton corps. On peut voir tous les symptômes. Mais la Bible dit tout ce qui est visible est passager. Donc même la maladie est passagère dans ton corps. Quelle que soit la maladie, elle est passagère. Covid, Omicron, Omato, tout ça c'est passager. Quelqu'un me donne le meilleur amen. Dis encore amen. Donc, la préoccupation pour toi n'est pas simplement de savoir, docteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire, non, le ça veut dire quoi? Ça peut enrichir ton incrédulité. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous avons été formatés à vivre de l'extérieur vers l'intérieur. Les informations extérieures vont établir notre stabilité intérieure. Alors que la Bible dit que c'est non les choses intérieures qui doivent changer les choses extérieures. Mais nous vivons à l'envers. Il ne faut pas vivre à l'envers. Ce que les médecins ont dit. Je me rappelle, je touchais 15 000 francs CFA par mois, une gentille dame qui a aimé le pasteur que je suis. Vous savez, il y a des gens, quand vous regardez en arrière, vous vous dites vraiment, la personne a eu foi en toi plus que toi-même. Quelqu'un a 15 000 francs de salaire, tu demandes d'aller ouvrir un compte à la BCC. Et BCC au plateau, j'habite ici d'abord pour aller même là-bas pour voir mon compte. C'est tout un voyage. À cette époque où les banques étaient comme des structures de colonisation, d'extension de la colonisation et de la matrisation du peuple. Vous voyez des fonctionnaires à la banque à 6 heures du matin, ils vont faire la demi-journée pour pouvoir retirer leur argent de leur propre compte. Si ce n'est pas l'esclavage, on ne sait pas ce que c'est. Gloire à Dieu parce que ça change. Gloire à Dieu parce que les choses doivent changer. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amen. Envoie des rangs, des rangs, des rangs, des rangs, des rangs, des rangs. Et tu vois un petit gars, il a un rang. Ah, maintenant, il y a quelqu'un qui te connaît, on te prend. Et puis mon compte était ouvert au VIP. On me fait entrer au VIP avec 15 000 francs de salaire par mois. Mais j'aime quand même l'audace que j'avais. J'allais quand même prendre mon relevé pour voir ce qu'il y a sur mon compte. Et 32 300, 16 200, 6 100 francs. Un jour, je regarde mes relevés et puis le Seigneur me dit, je regarde moi-même et puis le Seigneur me dit, tu crois ce qui est écrit là? Qu'il te soit fait selon ta foi. Voyez-vous, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, mais attends, Dieu dit, il m'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je crois plus à ce que la banque dit. J'ai 6 300. Dieu dit, je suis milliardaire. La banque dit, j'ai 6 300. Entre le banquier et Dieu, qui dit la vérité? Non, je te pose une question. Qui dit la vérité? Non. Qui dit la vérité? Mais pourquoi dans ton compte, ton relevé de compte bancaire te fait paniquer? Pourquoi ça te fait paniquer? Pourquoi le rapport du médecin te fait paniquer? Mais parce que tu as plus confiance à ce que la médecine dit que ce que la parole dit. Alors que la foi est une ferme confiance en Dieu. Crois-tu ce que Dieu dit? Est-ce que tu crois ce que Dieu dit? La foi, c'est une ferme confiance en Dieu qui est démontrée. Si j'ai confiance en Dieu, je dois aussi avoir confiance en sa parole. Alors qu'est-ce que la Bible dit à mon sujet? Il m'a béni. Que le pauvre dit, je suis riche. C'est pas ce qui est écrit? Comment vais-je moi mettre un relevé de compte bancaire sur ma table avec 6 300? Le Seigneur m'a dit, maintenant, augmente les chiffres que tu veux voir. Donc, quand je prenais 6 300, je mettais 6 300 millions. J'ai commencé moi-même à devenir milliardaire sur mes rapports. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça paraît fou, mais je vais te dire une chose. Dans le règne de la foi, si tu n'es pas prêt à faire les choses folles, tu ne verras pas les choses miraculeuses. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ma femme est vivante, elle est là à côté de moi. Elle va vous dire, il y a des nuits, je la réveille. Je dis, dans 2 ans, voilà ce qu'on aura. Dans un, je montre des chiffres, des calculs que je fais. Elle me regarde là et tout. Elle me regarde comme si je montre des calculs. Je fais calculer ce qui va arriver.
tandis que dans ma tête, il n'y avait même pas un seul doute que ça allait venir. Et c'est venu. Ce n'est pas une affaire. C'est la foi, ça marche. J'ai modifié mes rapports. J'ai modifié. 6 milliards 300. Le plus petit compte bancaire devait être de 580 millions. À l'époque où tu as 15 000 francs CFA par mois. Mais dans tes relevés, toi, tu regardes. C'est ce qui est écrit sur le papier. Quand on met 6 300 dans ton compte, là, tu es allé dans ton compte pour voir. Là, je te pose une question. Toi, tu as vu ton argent en banque. Ce n'est pas des petits papiers, on a l'argent, on a mis. Si même la banque est en faillite et puis on te dit tu as 15 millions, pourquoi tu crois en 15 millions? Peut-être la banque n'a même plus ton argent, mais ils te disent 15 millions. Tu crois entre la banque et la Bible, entre le rapport du banquier, ce que la Bible dit, en quoi tu crois? C'est ça le vrai problème. Moi, j'ai tellement cru en ce que Dieu dit que même les sorciers ont prophétisé sur mon avenir. Ce n'est pas une affaire, frère. Il n'y a pas autre chose. Même le sorcier, s'il me regarde, il va dire, ce gars-là, Dieu va encore l'élever. Dieu va encore le bénir. Même le sorcier doit dire, là, frère, tu dégages quelque chose à l'intérieur. Il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Vous savez, les hommes, je peux parler aux hommes. Changez le langage de votre maison. Dans votre famille, changez le langage. Ne dis pas à ta femme, non, on n'a pas. Hé, hey, change le langage. Dis à ta femme, allons-y faire des courses. Elle va regarder les chaussures. Tu dis non, je ne veux pas que tu prennes n'importe quoi. Allons dans les vrais magasins. Tu commences à regarder. Toi-même, tu sais que ton salaire ne peut pas arriver là, mais ce n'est pas une question. Ce que tu vois, c'est ce que tu as. C'est ce qu'on appelle la foi. Ça va venir. Tu vas commencer à lutter parce que ta femme a dit, je veux une boucle d'oreille. Non, toi là vraiment, c'est vrai que tu es Chanel. Non, là c'est Chanel. C'est la pacotille qui est Chanel. L'or là est spirituel. Ah ouais. Pourquoi est-ce que la pacotille est Chanel? Parce que la pacotille n'a pas servi à bâtir le temple. Donc c'est l'or qui est spirituel parce que c'est l'or qui a servi au temple. Donc si ta femme veut de l'or, elle veut les choses spirituelles. Si elle veut le diamant, elle veut les choses spirituelles. Arrête de dire c'est Chanel. Comme si la terre était une parenthèse accidentelle. Frère, que les femmes disent amen. Amen. Maintenant, une femme peut dire amen, mais un amen charnel. Parce que, en fait, la quête d'une femme n'est pas simplement les boucles en or ou les choses en diamant. Mais il faut que les boucles en or reflètent le cœur en or de la femme en or. Quelqu'un dit encore amen. Hein? Il faut un certain équilibre. Quelqu'un dit équilibre. Encore équilibre. Une dernière fois équilibre. Je déclare que tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Ta manière de dire amen m'embête. Tu rouleras de belles voitures. Tes enfants iront dans de bonnes écoles. Tu es en bonne santé. La maladie n'a pas de pouvoir sur ta vie. La matière première du royaume travaille en ta faveur. Les portes sont ouvertes. La métamorphose est devant toi. La grâce de Dieu t'accompagne sur les territoires de ta destinée. Au nom suprême de Jésus. De janvier à décembre, de jour comme de nuit, la faveur de Dieu est avec toi. Au nom suprême de Jésus. Tous les diagnostics de l'enfer contre ta vie sont voués à l'échec. Tu es en bonne santé. Tu es fort, tu es sage, tu es puissant, tu es intelligent, tu es établi, tu es élevé, tu es distingué. Tu es ce que la Bible dit au nom suprême de Jésus. Demande trois bons amen. Alléluia. Qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Comment est-ce que tu t'appelles? Quel est le nom que tu donnes de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Comment est-ce que tu affirmes la vérité sur ta vie? C'est ça le problème. Notre langage, nos déclarations. On est tellement spirituel. Oh Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Oh, je me voici devant toi. Je suis moins qu'une fourmi. Oh Seigneur, tu sais, je suis pauvre, je suis faible. Aie pitié de moi, misérable que je suis. Voilà. Alors, ça paraît tellement vrai. Et quand les religieux ne te voient pas prier comme ça, ils pensent que le gars, il est orgueilleux. Mais ils ne comprennent pas que celui qui prie comme ça n'était pas adopté.
Mais quand je suis dans la famille de Dieu, je ne peux plus dire misérable que je suis. Parce que je ne suis plus misérable. Je ne suis plus misérable. C'est celui qui n'était pas adopté, qui n'avait pas la vie éternelle, qui pouvait dire misérable que je suis, qui me délivrera. Mais maintenant, gloire soit rendue à Dieu, car Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Mais c'est ça la vie avec Dieu, frère. Je prophétise l'embellie. Je prophétise l'accélération. Je prophétise la faveur. Dis amen trois fois. Frère, nous allons prier. Nous allons prier. Le but pour moi aujourd'hui, c'est vraiment pas, comme j'ai dit, c'est pas tant la prédication, mais c'est les bases de l'enseignement qui permettent à ta mentalité d'être totalement renouvelée. Je vous promets que je reviendrai sur le troisième point et nous allons le continuer. Je vais montrer par l'aide du Saint-Esprit comment est-ce que Dieu travaille. Quelle est la matière première? Comment il s'appuie dessus? Comment la matière première est le logos et le rhéma? Comment il y a le produit brut et le produit raffiné? Comment est-ce que ça se passe? Pourquoi il est important que dans le processus de notre foi, nous raffinons la parole? Parce que l'or qui n'a pas été, voyez, même l'or doit être raffiné, même le pétrole doit être épuré. Vous voyez, c'est très important que nous allons à la dimension du raffinement pour que ça, on atteigne une autre dimension de jouissance de la vie de Dieu dans sa parole. Qu'on ne soit pas simplement des personnes qui récitent la parole n'importe comment, mais qui la vivons, la démontrons, la manifestons au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Je veux prier. Élève ta voix vers le ciel. Maintenant, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Dis-lui que tu le crois capable des choses les plus extraordinaires. Dis-le-lui de tout ton cœur, de toute ton âme. Déclare-le à Dieu. Rebo sakatabre, rebo satarababo. Rakotobrende kebro sarababo. Rends grâce à ton Père, rends grâce à ton Dieu. Rekoto brande kebro toke brakata. Morobo sanderebo sakatebro. Rakoto bakata reboro. Shande kebro katababa.